construction de la guitare baryton, on va voir comment on insère cette tige de réglage dans le manche. Et tout ça uniquement avec des outils à main, notamment ce rabot. Allez, c'est parti! L'idée, c'est donc de réaliser une rainure qui va venir accepter cette tige de réglage. C'est quelque chose qui se fait très très bien à la défonceuse, notamment sous table. Pour faire ça, je laisse un côté du manche parallèle à l'axe du manche. Et du coup, ça me permet de faire une rainure pile poil au niveau de l'axe du manche. La tige de réglage, quant à elle, a deux rôles. Le premier va être de contrer la tension exercée par les cordes. Et le deuxième, de régler la courbure du manche. Mais bon, franchement, qui a envie de faire ça à la défonceuse? Ça fait plein de copeaux de partout, du bruit, de la poussière, enfin... Alors qu'avec ça? Ça, c'est un rabot Stanley 1350, dont le corps se compose de deux parties. Chaque partie vient recevoir une petite lame qui va inciser le bois, pour éviter de faire des éclats. Et au centre, une lame principale qui, elle, va servir à faire la rainure. On peut adapter de nombreuses lames sur ce rabot pour faire des rainures de différentes largeurs. Et à cela vient s'ajouter un guide parallèle qui va nous permettre de faire la rainure bien droite, parallèle à un des côtés du manche. Tout d'abord, je trace l'axe du manche. Il me reste maintenant à placer le guide parallèle de façon à ce que la lame soit centrée par rapport à mon axe. Je fais une première passe en ayant le fer rentré au maximum. Seules les petites lames qui incisent vont venir inciser le bois et marquer la rainure. Une fois que c'est fait, je peux commencer la rainure. Il n'y a plus qu'à faire plusieurs passes en augmentant à chaque fois la profondeur de passe. Après de multiples passes, on arrive finalement à une rainure qui accepte le corps de notre truss rod. Il reste par contre l'écrou du truss rod à incruster. Cet écrou, via une clé Allen, va permettre de régler la courbure du truss rod et donc de régler la courbure du manche, ce qui peut être pratique pour régler finement la guitare, notamment éviter les frises. Pour l'incrustation de cet écrou, pas besoin d'outils compliqués. Un ciseau à bois suffit. Je teste régulièrement en place pour voir si le truss rod s'insère ou non. Si ce n'est pas le cas, je continue. Vous avez pu remarquer que l'écrou est de forme cylindrique. Pour adapter ma rainure au mieux à cette forme, j'utilise une gouge.
et après de multiples retouches, j'arrive à insérer le truss rod en toute sa longueur. Mais dans l'état, l'accès à l'écrou n'est pas optimal, donc je décide d'arrondir la fin de la rainure pour pouvoir insérer plus facilement la clé Allen. Je commence d'abord avec un ciseau. Et j'arrondis le tout à la lime. Et voilà un truss rod qui s'insère parfaitement dans sa rainure, entièrement réalisé à la main.